Bonjour, je suis Sophie Frilay. Je suis co-dirigeante de Titra Film, Titra Police et Titra Studio, qui font partie des industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel. Ce sont des sociétés qui sont spécialisées en post-production et en localisation de films et de séries. Et bienvenue dans la boîte à questions des accélérés. Pour Titra, ça a été une très grande reconnaissance. Titra est une société très ancienne qui va fêter ses 90 ans. Ça a vraiment marqué le fait d'être totalement instauré maintenant dans un univers très techno et innovant, ce qu'est complètement Titra Film. Nous avons voulu intégrer l'accélérateur cinéma et audiovisuel parce que Titra Film avait vraiment besoin de trouver un socle. On avait acquis une très grande maturité auprès de nos clients et notamment à l'international avec les plus gros donneurs d'ordre. D'un point de vue innovation, on était arrivé vraiment à une très belle expertise et nos équipes aussi étaient vraiment en maîtrise de leur sujet. Simplement, c'était important pour nous, au niveau de notre gouvernance, de gagner de la fluidité et de pouvoir finalement nous assurer un développement de la pérennité de Titra sur de nouveaux marchés. Et c'est exactement ce que nous a permis l'accélérateur et ça, vraiment, ça a été une très grande chance. Je dirais que l'impact majeur que l'accélérateur a eu sur Titra Film a été de finaliser son industrialisation et de gagner en rentabilité tout en conservant vraiment les caractéristiques artisanales et qualitatives au niveau artistique de Titra. La remise du diagnostic à nos équipes, où nos équipes ont découvert ce nuage de mots en fait, qui caractérise Titra Film. Alors non seulement technique, artisanal, indépendant, mais également technologique, inventif, innovant, qualitatif. Et ça, même si ce sont des valeurs que moi je connais de notre société, le fait que les équipes aient pu mettre des mots dessus, je trouve que ça a été une belle expérience collective. On a eu la chance de pouvoir réaliser cette expérience avec Titra Film et aujourd'hui, nous avons sollicité la possibilité d'intégrer la deuxième promotion de l'accélérateur cinéma et audiovisuel avec une autre de nos sociétés qui s'appelle CTM, qui elle a besoin de vivre également cette expérience de réorganisation, de restructuration afin d'avoir encore un très grand avenir devant elle.